playground. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo pour une présentation d'une voiture que beaucoup vont reconnaître. Elle est juste derrière moi et c'est maintenant. Les amis, avant de commencer de vous parler de la super voiture qui est derrière moi, je vais vous parler du partenaire de cette vidéo qui est CarVertical. Pour ceux qui ne connaissent pas, CarVertical est un site qui vous permet de vérifier en fait la voiture que vous souhaitez acheter afin de voir que ce n'est pas un oignon, clairement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vérifier le kilométrage de la voiture pour voir si le compteur a été bidouillé. Vous allez pouvoir vous assurer également que la voiture n'a pas eu d'accident et ça c'est quand même très important si vous voulez être sûr de rouler dans une voiture qui n'est pas un cercueil roulant. Et si la voiture a eu un accident, vous allez même pouvoir retrouver les photos la plupart du temps car ils sont obligés de déclarer à l'assurance et l'expert en général prend des photos du sinistre. Vous allez pouvoir également vous assurer que la voiture n'a pas été volée à travers l'Europe. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo pour avoir une remise directement sur votre prochain rapport. Personnellement, je le fais maintenant avant chaque achat de voiture et je le fais même aux gens autour de moi pour qu'ils soient sûrs et certains de ne pas dépenser des milliers d'euros dans une voiture qui leur attirera des problèmes plus tard. Maintenant, place à la vidéo. Je vous retrouve donc avec Anthony, merci beaucoup de m'avoir accordé un petit peu de temps pour me présenter ton auto. Comme vous le voyez, on est sur une auto un peu spécifique derrière, on est déjà sur une Nissan Skyline R34. Anthony, présente-moi ta voiture qui a quand même une petite particularité, c'est que c'est une réplique. Je te laisse me raconter de quoi. Alors bonjour à tous, donc Anthony, 30 ans, un peu passionné de japonaise. Ça se voit. Forcément. je vais vous présenter du coup ma Nissan 350Z, non ça c'est une autre. on confirmera d'ailleurs. On confirmera sûrement. Ma R34 GTT, donc ouais. À la base c'est une GTT que j'ai importée en juillet 2020, okay. Totalement d'origine la voiture, elle était noire de base, donc ça fait un peu moins de 2 ans que je travaille dessus, 1 an et 3 mois. D'accord. Et en fait à la base je l'ai juste passé en GTR, j'ai GTRisé. Ouais, GTRisé, comme beaucoup de propriétaires d'ailleurs de R34. Ouais. Aujourd'hui de toute façon vu le prix des GTT, des GTR, on se rabat tous quasiment sur des GTT, que tu remontes GTR. Et ouais. Malheureusement, on est sur de la spéculation pure sur des gros véhicules. Et oui, malheureusement. Donc, quand en tant que passionné, on essaie de choper les véhicules qu'on peut. Le kit GTR consiste en quoi? Quelles modifications déjà, rien qu'à ce niveau-là, tu as apporté sur la voiture? Alors, côté GTR, donc, j'ai acheté un kit fibre qui vient de Pologne pour tout l'avant en Z1. D'accord. Réplique Z1, donc capot, aile avant, pare-choc. Il y avait également les ailes arrière dedans. Mais la GTR a les ailes larges. En fait, il y a 3 cm d'élargissement par rapport à une GTT. Donc ça, c'est les ailes d'origine. C'est des ailes d'origine de GTT qui ont été modifiées, enfin que j'ai modifié moi-même. Okay. Du coup, c'est de la tôle et pas de la fibre. Donc le kit, en fait, à la base que j'avais acheté, était totalement en fibre. Il y avait les bas de caisse, le pare-choc arrière. Okay. Il y avait l'aileron également de GTR type origine, mais qui ne convenait pas du tout. Et en fait, on était avec un collègue, on discutait et tout. Et à chaque fois, je regardais des GTR qui m'ont vraiment marqué mon enfance. Et en fait, je me suis souvenu que quand j'étais vraiment gamin, de Need for Speed Underground 1, je pense qu'on est la beaucoup base, ouais. À avoir eu cette base-là. Oui, base bah, oui hein, ça nous a niqué la tête ce jeu. Et en fait, la GTR dédiée à l'époque, j'avais dit waouh, je la veux. Je veux une Sky et je veux cette GTR-là. D'accord. Sachant que déjà, avec Gran Turismo, après il y a eu Fast and Furious, etc., oui. Forcément tous, plus d'autres jeux. Moi, c'était déjà la Sky que je voulais. D'accord. Et du coup, j'ai dit comme j'étais gamin, j'ai vraiment dit ça et je l'ai gardé en tête pendant très longtemps. J'ai dit, en fait, 2015, ils ont fait une version un peu améliorée qui va parfaitement aujourd'hui à l'actualité, ce qui est un peu, ce qui dénote un peu avec l'ancienne Nissan Skyline de Need for Speed Underground 1, le tout premier, où ça fait vraiment un peu tuning. Et vu le prix de la voiture aujourd'hui, ça va être compliqué. Enfin, c'était compliqué à vraiment faire une réplique exacte de la première génération, à se dire, on va couper une Skyline pour en faire un peu une réplique tuning aujourd'hui, tuning des années 2000, quoi.
Donc la 2015 est bien tombée, donc du coup je suis parti sur cette version là en gardant finalement les éléments Zetoun et pas le Sunlight Racing qui est de base le kit qui est utilisé sur la réplique de Need for Speed. Enfin, est-ce que tu me dis qu'en fait en gros en 2015 ils ont fait une deuxième version de la voiture de Underground 1? C'est ça ouais, en 2015 ils ont fait dans Need for Speed, le Need for Speed où il y a justement... Ah celui qui se joue de nuit C'est ça avec Matt Busswalker et tout ça. Voilà. Il y a Ken Block et tout dedans je crois. Exactement, ouais, c'est ça, la voiture de Ken Block tout ça. Mais, putain je l'ai joué, j'ai même pas vu qu'il y avait cette voiture. En fait ils ont fait un pack additionnel où il y avait le Eddie Challenge. D'accord. Et à la fin on gagnait la voiture d'Eddie avec exactement cette livrée là. C'est vraiment la livrée, par contre ça c'est vraiment la livrée exact du jeu de 2015. Tous les stickers sont liés aux bons endroits. Parce que du coup, dans la première version, il n'y a pas les... Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il n'y a pas les sticker work ou quoi, par exemple? Non, les works, ils étaient, mais par exemple, le gros speed ici, en fait, on avait une espèce de... ce qu'on appelait la liste de la carte de menu, des menus, avec Sparco, Cayenne, etc. Oui, c'est vrai, je me souviens, sur la jaquette. Ouais, on avait deux gros Sparco sur la vitre arrière. On avait le capot qui était style carbone. D'accord. On avait l'aigle également qui était vraiment modifié. Les ailes étaient plus fines. C'était beaucoup plus pointu à cet endroit-là. D'accord. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de modifications qui ont été faites sur la voiture qui ont un peu modernisé. Ok. Pour la moderniser, pour la rendre actuelle. Et franchement, j'ai adoré cette livrée-là. Du coup, forcément, je me suis dit, vas-y, feu, je me lance dessus cette réplique-là. Enfin, voilà, ça a été un gros rêve. C'est excellent. Du coup, un an et demi, je travaille dessus. Tout dingue. A été fait par moi. Donc, que ce soit la pose du kit, les ajustements, les ailes arrière en tôle. Je ne suis pas carrossier de métier. Ouais, mais t'as fait comment pour les élargir, ça? Alors, en fait, les ailes de GTT sont quasiment pareilles que les ailes de GTR. Ouais, c'est juste qu'elles sont juste un elles peu sont popées. Elles sont popées, ouais. Il y a la ligne qui est là, en fait. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu découper mon aile complètement. Ça faisait un mois et demi que j'avais la Sky. Hein. Ouais, t'es chaud, ouais. Du coup, avec le collègue, on a pris la disqueuse, on a tout découpé, on a élargi. En fait, on a rajouté de la tôle, je suis venu souder tout le long. Tu as disqué ton aile de Sky d'origine, qui fait donc partie intégrante de la châssis, voiture. Voilà. C'est ça. Et tu as rajouté de la tôle et tu l'as élargi. En fait, tu as créé ton aile de GTR. C'est ça, en fait. Et à partir de l'aile en fibre que j'avais, qui était une réplique exacte des ailes de GTR, donc qui a été moulée dessus, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'avais utilisé un duplicateur de forme et je me suis quadrillé toute la voiture et toute l'aile en fibre, en fait. Et je suis venu, en fait, mesurer mon aile, et en gros, aujourd'hui, mes ailes seront 99% réelles par rapport à des ailes de vrai GTR. Mais t'es pas carrossier, t'es en train de me dire. Je ne suis pas carrossier, je suis pas du tout du métier. C'est j'ai ouf, fait parce des que c'est hyper bien fait, quoi. Ouais. Oh, il y a malade. En dehors de ça, du coup, il y a également les coques de feu arrière. Ouais. Celles qui étaient en fibre, il n'y avait pas de fixation, il fallait les coller à la colle à pare-brise. J'aime pas du tout ça. Ouais. Du coup, en fait, ça reste, c'est des coques de GTT. Qui ont été modifiés pareil en gros. Comme on a les ailes de GTT en fait qui sont plus fines, oui, la coque est plus fine. D'accord. Donc en fait, je suis venu découper mon aile et mon cache en plastique et l'élargir pour augmenter l'épaisseur et pour fitter comme si c'était des ailes de GTR. D'accord, ok, ouais, et du coup, c'est dans la continuité des ailes. C'est ça, arrière. C'est comme si j'avais acheté des coques de feu de GTR. Le gros problème reste quand même le budget sur ces voitures-là et sur ces pièces. Aujourd'hui, on commence à avoir les de moins. Les coques de phare, j'imagine même pas le prix. Non, elles sont à 175 euros. Ah, mais bon, ouais, ça fait 350 euros que je peux mettre ailleurs. Ah, 175 euros l'une? L'une. Ah, mais non, je croyais les deux. Dans ces eaux-là. Voilà. Ça fait un peu cher quand même. Ouais, ouais, puis il y a eu quand même pas mal d'autres pièces. Le nez à l'avant, aujourd'hui, on est sur des pièces. Le pare-choc. Pour tenir le pare-choc, en fait, à l'avant, il y a de la traverse qui est complètement modifiée. On le verra pas là de suite. D'accord. Mais en gros, entre GTT et GTR, il y a toute la face avant qui est changée juste pour les fixations. D'accord. Et du coup, rien que la traverse centrale, aujourd'hui, on la trouve à 600 euros. Donc, on n'a pas le choix. On n'a pas vraiment le choix. D'accord. Okay. J'aurais pu la modifier, énorme. C'était pas quelque chose que je voulais. Je voulais récupérer des pièces de GTR à cet endroit-là et toutes les pièces que je pouvais faire moi-même, je les ai fait moi-même pour gagner. Tu t'es chauffé, un respect. Hein. Putain, c'est incroyable. Hein. Ouais, c'est merci. Mais c'est en fait. Regardez déjà rien, putain, les ailes et tout, c'est fou. J'adore le petit triangle que ça rajoute, là, le kit comme ça, Zetoun. Incroyable. Ah, elle est belle, hein. Putain, c'est l'aileron aussi. C'est bien ce que je disais tout à l'heure à mes potes, c'est que c'est la seule caisse en fait où tu peux mettre une grosse pelle à tarte et ben ça fait pas Jackie. Ça va avec le style de la voiture. Là en plus avec la déco Need for Speed, c'est encore plus réussi. Elle ronde tout en carbone en plus, je vois, ouais. Ouais. C'est magnifique. Elle est incroyable. En vrai, y a rien à dire. Là, t'as vu tout à l'heure, juste avant qu'on commence la vidéo, il y a un mec qui est passé en voiture. Il s'est arrêté net sur la route. Il était en mode bug complet sur la voiture. Pff, c'est trop bien. J'adore cette voiture.
Il n'y a que sur ce genre de caisse où tu as cet amour en fait de bug des gens qui disent « Oh putain, une GTR !» Ouais. Ils pètent un câble en fait, les mecs. Ah oui, oui, ça fait même pas une semaine, enfin ça fait une semaine que je roule avec, même pas, ouais. Parce que j'ai roulé dimanche pour aller chez Anto. Tu vas te faire poncer, mais t'es pas prêt. Et ouais, avec ma chérie, du coup, c'est ce qu'on se dit. C'est, du coup, avec la 350Z qui est déjà pas… T'es bien agressive. Voilà, ouais. Qui est bien agressive et qui passe pas inaperçu. Oui. Ça m'arrive souvent en fait. Je préférais limite la version d'avant de cette ma voiture, ouais. Où en fait j'avais moins de problèmes avec les gens sur la route. C'est-à-dire qu'en fait les gens ils veulent tout le temps faire la course. Donc ils sont toujours en train de nous coller. Ils sont toujours en train de nous coller derrière. Alors que toi t'es chill, t'as pas c'est envie. Ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Je suis avec ma copine, je suis en train ça, de. Ça malheureusement voilà. C'est même envie de te dire le problème des grosses voitures tout court. Hein. C'est ça. C'est dès que t'as une grosse caisse sportive, tu rencontres ce genre d'énergumène, on va dire. Puis c'est des. Là peut-être moins déjà. Peut-être pas la course, mais ça va être plutôt le mec qui va dessus pour te prendre en photo là. Ouais. 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 Bah, j'ai eu le droit aussi pareil 350 des mecs qui sont collés. Collé à mon pare-choc, plein phare en pleine nuit pour pouvoir filmer la voiture. Prendre la photo, voilà. Ouais, donc, bah ouais, forcément. Je m'y attends forcément avec cette voiture. Bah celle-là, c'est sûr et certain. Hein. Là, tu peux t'y attendre, hein. c'est clair et net. Les jambes, c'est celle de. Non. Ouais, j'allais dire celle du jeu ou bon, non, du tout. Un peu parce que les jambes, de toute façon, tu pouvais mettre un peu ce que tu veux. Ouais, alors celle du jeu, j'aimerais bien les avoir. C'est des Works. Alors putain, je me rappelle plus vraiment le nom. J'aimerais bien en trouver un set, mais pareil, ça reste un gros budget. Et j'ai quand même pas mal de voitures à côté. Donc à voir dans plus le tard. Futur hein. Voilà, enfin, c'est en vrai, ça c'est pas, hein. Aujourd'hui le but ultime c'était surtout le covering. Ouais, c'était le covering, c'était le covering que tu la donnes un peu GTR, voilà, mais c'est ça. Là déjà pour moi elle est terminée la voiture hein. Ouais. Au niveau de on va parler un peu de l'intérieur, qu'est-ce que t'as fait? Je vois que les sièges, alors, déjà si je ne m'abuse, sont pas d'origine. Non. J'ai non, l'impression non. Que c'est des sièges de 350Z. C'est ça, cabriolet, ouais. Ouais. Ah oui, voilà, d'accord. Parce qu'il me faisait penser à la Z, mais pas totalement. Non, c'est... On rappelle par contre, pour info, excuse-moi, je te coupe, que la voiture est toujours en finition, elle n'est pas finie encore. Oui, elle n'est pas du tout finie, il y a des reprises à des endroits. Il y a quelques petits trucs à refaire. Là, malheureusement, on voit, il a perdu un petit cache il y a quelques jours, malheureusement, avant la vidéo. J'ai le covering qui est parti là. Voilà, ouais, c'est... voilà, c'est... elle est en cours, elle n'est pas finie, elle est finie à 90%, on va c'est dire. C'est ça. Bon, déjà, du coup, ouais, l'intérieur, c'est bien, ça se marie un peu avec l'extérieur, les sièges. Finalement, ouais, c'était des sièges de 350Z, donc cabriolet, qui ont été adaptés. Donc les fixations ont été ressoudées, en fait, dessoudées des sièges d'origine. D'accord. Pour être ressoudées sur les sièges de 350Z pour la Skyline. D'accord. Donc ils sont adaptés. Okay. Aujourd'hui, c'est des sièges qui sont électriques chauffants. Ah, ça fonctionne encore ? Ça fonctionne. Du coup, je les ai branchés pour qu'ils fonctionnent. Ouais. Génial. Normalement, les Sky n'ont pas de siège électrique. Celle-là, du coup, en a. Cool. Voilà. C'est donc, cool, ça. Et chauffant aussi, c'est toujours plaisant. Ouais. Du coup, tu as la petite casquette, je vois, de GTR. Ouais, c'est ici, la première pièce. Et tu as les manos dedans. En fait, c'est les manos de GTT. Pour le moment, ils sont juste posés pour avoir les infos. C'est ça. Ok. Et en fait, le... Ah bah oui, ils sont à la place de l'autoradio, normalement. Le but, ce sera d'avoir en fait l'avant de GTR également. Donc, en gros, avec le joystick de manette de PS2. D'accord. Sauf que je ne veux pas, en fait, l'MFD, déjà, parce que ça vaut 5000 balles, ouais. En nos cases. Ouais. Que c'est une relique, aujourd'hui. Oui, c'est un truc rien, qui, ouais. qui est des 2000, l'année 2000. Donc, ça n'a pas de technologie, un truc intéressant. Je vais me faire un ordinateur propre, en micro-ordi, dedans, pour avoir vraiment toutes les infos avec un écran LCD propre, neuf. Cool. Du coup, il y a également un passage en boîte méca qui a été fait dessus. Ah, parce qu'elle était en BDR ? C'était une boîte d'auto, ouais. C'était une boîte auto. D'accord, ok. La petite histoire, c'est quand je suis allé la chercher en Angleterre, le matin même, en prenant l'avion, à 5-6 heures du matin, on a eu en fait un message sur Facebook de mec qui vendait une boîte de R33 GTST. Ok. Donc, ce qui est assez rare à trouver. Et le mec était à Grenoble, du coup on s'est tapé 15 heures de route pour descendre, on a rajouté 3 heures avec le collègue pour mettre la boîte dans le coffre et la récupérer. Mieux, ouais. Ça a été folklore. Comme ça au moins tu l'as, ouais, c'est ça. C'est ça. Je me permets d'ouvrir pour voir un petit peu le... Oui, oui. Je vois que tu as un magnifique autocollant sur le côté de ta voiture là également. Mais non, aussi sur la vitre arrière. Où ça ? Ah oui ! Excellent. Ah bah il y a même celui de ma femme, tiens. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, le beau volant. C'est un volant d'S15, ça ? C'est... Alors, le volant de S15 et le volant de R34 sont les mêmes. D'accord. C'est juste, en fait, le centre de volant qui change. Ah ouais, parce et... que là, le S de Sylvia, ouais. Et petit volant carbone cuir, ouais. Et en fait, sur GTT, phase 1, on a, en fait, juste le logo Nissan qui est incrusté directement dans le cuir. Et d'accord. Sur, en fait, du coup, GTT phase 2 et Sylvia... On a ce logo là, mais en fait ce qui est bien c'est que tu peux enlever le logo et mettre un logo de GTR. Il y a un russe ouais. qui les refait sur mesure actuellement, ouais. comme à l'origine. Et du coup en fait mon but ça va être de mettre ce logo là. En fait c'est même pas pour dire que c'est une GTR, je sais très bien que c'est non, une GTT et ça restera une GTT. Mais en fait le logo en lui-même il fait partie de la voiture oui. et je trouve que ça l'embellit en quelque sorte. Oui, c'est ça.
comme je disais chez Anto, il n'y avait pas le GTR sur la calandre. Ben, là, aujourd'hui, il y est. Et franchement, ben, ça change totalement la gueule de la voiture. Pour ton plaisir personnel, c'est ça fait tout. Ouais. C'est un petit détail, mais ça change tout. C'est comme les stickers. J'avais pas les lignes blanches sur le capot à la base. Okay. Ben, en fait, le capot a totalement changé juste en mettant ces deux petites lignes blanches. D'accord. Du coup, c'est juste un petit sticker, ce qui fait que la voiture change. Et oui, ça, coup, c'est voilà, le détail. Quoi. C'est les détails et c'est ce que je veux. Donc voilà, j'ai aimé. Puis, c'est largement justifié. C'est ta voiture. C'est ça. Tu fais ce que tu veux. Ouais, effectivement, le petit logo, c'est vrai qu'il fait quand même tout. Ça fait joli. Oui, parce que sans vide, ça fait presque fade. Ouais. En fait, ouais. Ouais, ça fait plus alors, joli. Il y en a qui mettent un logo type GTR, mais en style GTT. Ok. J'en ai pas trouvé un seul, en fait, qui a la forme, en gros, incurvé. Qui a une incurvé. Ouais, voilà, il y a une surépaisseur derrière qui fait ressortir le logo. Ah. Et sans ça, pareil, c'est en fait de là, je le vois le logo, alors que sinon, il serait plat. Enfin, oui. C'est du détail. C'est haut du pare-choc, ouais. C'est du détail, mais voilà. Ouais, mais ça passe, personnellement, je valide, ouais. Tu me montres un peu le moteur? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Petit RB25, si je ne m'abuse. C'est ça, un RB25 DET Néo. Néo, ouais. Ok, pas modifié, il a pas l'air, non? T'as toujours t'as pas mis un gros top mount bien agressif en haut du moteur, ouais. Non, c'est pour pas qu'Anto m'insulte pour l'homologation. C'est vrai que tu l'as pas encore. Elle est en cours d'homologation. Elle est en cours d'homologation et du coup, elle reste totalement stock. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même sorti la totalité du bloc. Ah oui? Fait qu'un an en Angleterre, mais je voulais vérifier en fait l'état châssis, la structure, etc. Donc elle j'ai a sorti l'air très propre. Hein. J'ai sorti le bloc, ouais. Ouais, parce que je crois me souvenir que ici, les R34 sont sujettis à la rouille. Ouais. Et je vois qu'il n'y a pas un pet. Sur le joint tout là, en fait, ouais. Ouais, voilà, ben non, elle a pas. C'est des défauts, il n'y a pas un pet. Et pourtant, elle a l'air super propre. Hein. Pourtant, c'est une caisse qui a aujourd'hui 189 000, là, ouais, actuellement. Si, comme tu dis, elle est restée qu'un an en Angleterre et que le mec en Angleterre en prenait soin. Il en prenait hyper soin. Non, ça peut pas devenir un tas de rouille non plus. Hein. Il en prenait hyper soin. Ouais, c'est ça le principal. Hein. Et en plus de ça, il m'a ajouté récemment, il y a quelques temps sur Facebook, il suit la Sky. Ça doit lui faire bizarre, ouais, de voir comme ça. Ouais. Il est super content. Il a un peu changé, lui, il est parti que sur des vieilles américaines. D'accord. Mais, il est super content de voir sa voiture. Je suis content aussi d'avoir encore un contact avec lui. Ah bah oui, finalement. C'est toujours cool, ouais. C'est ça qui est bien aussi avec ce genre de bagnole, c'est qu'il peut y avoir ce genre voilà, de liaison entre propriétaire et tout. Justement, il voit les étapes de modification, parce que c'est quand même très sujet à des modifications, c'est japonaise. Ouais. Et il y a toujours, voilà, généralement une bonne ambiance et tout, c'est vraiment cool ça. Ouais, c'est ça. Et puis, franchement, il a été adorable. J'ai eu la voiture, il avait un contrôle technique en gros, quand je suis allé la chercher. Et en gros, j'ai pu la mettre sur un pont et vérifier pendant une heure l'état châssis complet, quoi. D'accord. Donc, il m'a tout remis tous les fluides, il m'a tout fait toutes les vidanges, etc. Enfin, ça a été génial. Il m'a fait l'épreuve en vidéo que tout a été fait. Sérieux, quoi. Ouais, c'était un gars super sérieux et du coup bon voilà j'ai sorti le moteur, j'ai refait les couvres culasses, j'ai changé les joints qu'il fallait, j'ai refait la distribution, pareil c'était ma première fois, hein. Je suis pas mécano non plus. Quand même, hein. Donc je me suis fait la distribution directement, la conversion boîte méca c'est également moi qui l'ai faite. Enfin voilà, c'est la voiture, il y a 99% des choses qui ont été faites par moi. Putain, juste, c'est beau. Juste le kit déco qui a été fait par mon collègue Kevin, donc panneau service, il se reconnaîtra. Enfin, il a travaillé surtout très dur sur la déco. Ouais. Parce qu'en fait, elle n'existe pas. D'accord. Et donc, en fait, il a tout créé lui-même. Et oui, en gros, elle est vraiment sur mesure, la déco. Et je l'embête encore un peu avec le sticker salarial où il y a eu un petit raté. Et du coup, je voudrais que ça travaille toujours. Voulais, toi, ouais, c'est ça. Au bout d'un moment. Même là, je n'avais pas vu les barres. Les petits traits là aussi. Ouais. Là, il manque encore le bandeau par soleil en fait, de la voiture. C'est le seul sticker qui manque aujourd'hui. Mais je ne le mets pas pareil pour l'homologation. Ah oui, ils peuvent t'emmerder avec ça. Ouais, il est trop gros en fait, il dépasse les 10 cm donc je pense pas qu'il passera et j'ai pas envie d'embêter un toit avec ça. Et là avec l'aileron comme ça, ça passe l'homologation ou vous le retirez? On va le retirer déjà pour une question de poids, même s'il pèse pas grand chose. Ouais, je pense qu'on va le retirer et puis normalement il doit pas dépasser la voiture. Oui, l'aileron fait 1m75, la voiture fait 1m78. Ah ouais, d'accord. Donc il est juste mais normalement il dépasse pas. Sans déconner. Ah par rapport au rétro. Ils prennent le rétro en considération. Ok, excellent. Ah ouais, excellent. Bon, est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour du coup dans cette voiture pour finaliser ça tranquillement? Si tu veux, hein. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Les amis, je vous retrouve à bord de cette Nissan R34 Skyline Need for Speed Edition. C'est parti, elle démarre. Allez, c'est parti. Ah oui, l'embrayage, il est pas d'origine encore. Non. C'est quoi comme embrayage? Un embrayage Disney. D'accord, sûr. Ça faisait longtemps que j'avais pas essayé une petite Sky R34.
Donc totalement d'origine, le moteur, on est d'accord, de 180 chevaux. C'est ça, d'origine, bridé 180 km/h. Ah ouais, ok. Encore la bride japonaise, elle est vraiment stock de chez stock, quoi. D'accord. La seule chose qu'il y a, du coup, c'est... Ouais, tu t'es focalisé sur l'esthétique, on va dire, en premier, ouais. Surtout pour l'homologation, pour le moment, c'est... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Une fois que l'homologation sera passée, je vais pouvoir me faire plaisir. Ah, on entend quand même le turbo, bah ouais. Oui, il y a l'admission, ouais. Les combinés, c'est quoi dessus? C'est des HSD. D'accord. Je les trouve beaucoup trop fermes, je pense que... Ouais, sautille un peu, ouais. L'ancien propriétaire, en fait, et pourtant ils sont réglés au plus long, l'ancien propriétaire a dû mettre des ressorts d'arrêt pour le circuit. D'accord, ok. C'est trop, en fait. C'est pour la bien. Conduite c'est ça, moi j'aime loisir. J'aime bien les routes comme ça, et c'est pas gérable. D'accord, ok. Alors, pas un bruit châssis, rien du tout. Bien l'air injecté quand même qui rentre dans le turbo, ça fait toujours du bien, les belles admissions comme ça sur les moteurs turbo, ça me manque, hein. Ça fait longtemps que j'entendais pas ça. Mais elle a un châssis par contre, même si on enlève le fait qu'elle sautille un peu, elle est hyper saine, quoi. Il n'y a pas un bruit, il n'y a rien, il n'y a pas une mauvaise remontée d'informations dans la direction, elle se déplace super bien. Putain, elle... Combien de kilomètres? 190 000. Ouais. Ah bah putain, pour 190 000, elle va super bien. J'ai essayé des voitures bien moins kilométrées, en moins bon état. Hein. Ah là, je suis impressionné comme elle roule bien. Elle est presque confortable avec les sièges. Les sièges d'origine, tu me diras, sont pas forcément inconfortables aussi. Bon, on va faire une petite accel en deux. Ah bah, elle marche très bien. Elle marche très très bien. Et bizarrement, tu vois, je crois que c'est une des rares voitures que j'ai conduit avec un swap de boîte. Et ben, je suis impressionné parce que on dirait que c'est stock. On dirait que c'est stock. J'ai toujours eu cette appréhension des swaps de boîte, ouais, de conversion, de me dire ouais, mais ça, tu sais, ça va pas tomber en lieu et place, ça va pas être très agréable à utiliser. Ben, rien du tout. Tu n'es pas prêt, je pense, au regard des gens justement de notre génération, parce que tu as quel âge toi? 30 ans. Eh ben j'ai 32, voilà. Je pense que tu n'es clairement pas prêt à quel point tu vas te faire harceler. Là on va parler d'un harcèlement. Hein. Tu peux être sûr que tu vas faire tes courses, tu la gardes sur le parking, t'as 10 personnes autour, hein. T'es pas prêt, je crois. Hein. Bah, déjà quand je l'ai lavé la première fois, ils sont arrêtés pour prendre un photo. Pour me demander des photos alors que j'étais encore en train de la laver. Donc, eh ouais. Ah, parce que déjà qu'une Sky, je sais que Anthony et tous mes amis qui en ont se font déjà bien poncer, mais alors une agressive avec un aileron énorme comme le tien et la déco Need for Speed, c'est terminé. Là, c'est magnifique, hein. Par contre, c'est la première fois que j'en conduis une avec l'aileron aussi gros que ça. Ouais. De le voir dans le rétroviseur, c'est putain de satisfaisant en vrai. Ouais. Et même à l'arrière, on le voit dans le rétro ici, on le voit partout l'aileron. C'est hyper satisfaisant. Ce que j'avais un peu peur, c'est que souvent les gens me disent que l'aileron il bouge derrière, en fait, vachement. Ah ouais? Et franchement, celui-là il ne bouge pas. J'ai déjà pris quasiment la TP Max. Ah ouais? Et franchement, il bronche pas d'un de point. De droite derrière. À gauche, ouais, du ballon. Ça tremble vraiment. Ouais. Ah bah non, bah là je le vois dans le rétro, il bouge pas d'un point. Hein. Ah, elle est trop cool. Bah, je suis content en tout cas de la conduire. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu la seule réplique de France? Alors, c'est la seule réplique même d'Europe. Il y en a ah trois. Ouais? On est trois dans le monde à en avoir. Merde, oui, on n'en a pas parlé de ça. Il y a une japonaise qui a la première livrée dessus avec pas mal de modifications propres à elle-même. D'accord. Il y a un russe également avec qui je suis en contact qui a une réplique exacte. Sauf que lui, bah, c'est un pare-choc d'origine de GTR standard. D'accord. Mais il a la bonne couleur, bon code couleur il a. Et c'est surtout que lui, il a fait en peinture carrément. Waouh, d'accord, elle ok. Elle est vraiment magnifique et franchement, au début, moi je voulais mon exemplaire et tout. Et en fait, je suis tombé sur sa voiture par hasard. Ok. Et en gros, ça a été un gros coup de cœur quand j'ai vu. J'ai dit, ouais, vraiment, je veux vraiment ça, quoi. Ça a été. Ouais, déjà, ouais, t'as pas hésité. Déjà, ouais. J'avais le truc de, ouais, il faut que ce soit ça. Et là, j'ai dit, bah, s'il n'y a pas le choix, c'est ce que je veux. Trois dans le monde. Trois quoi. Dans le monde, ouais. Plus. Oui, parce que je pense que. Oui, voilà. Parce que je pense que les propriétaires de ce genre de voitures sont quand même un peu médiatisés. Si on aurait eu plus, on les connaîtrait. Ouais. Et ouais, donc plus la vraie, parce qu'elle a existé en vrai, elle en fait. Elle a existé en vrai. En fait, c'était une voiture promotion. Et le plus drôle là-dedans, c'est qu'en fait, c'est Craig Lieberman qui a fait la voiture. Donc Craig Lieberman, en fait, c'est le papa de voiture Fast & Furious. D'accord. Dont la GTR 34 qui était la sienne. Et en fait, quand il a fait la Need for Speed, il faut savoir que les jantes de l'aérocar de Fast & Furious 2 a fini sur la voiture de Need for Speed. Donc aujourd'hui, la Need for Speed roule avec les gens du film. D'accord, ok, je comprends le délire, ouais. Mais tu sais quoi, je vais pas continuer plus loin à rouler avec parce que bah,
En fait, j'ai même pas envie de la rouler vite, ça reste une Skyline, on va dire, traditionnelle. J'ai juste envie de m'arrêter, tu vois, de kiffer de la voiture visuellement parlant. Et il y a d'autres répliques de Need for Speed qui ont été faites ou pas? Ou il n'y a que cette Sky du coup? Non, c'est vraiment... Il n'y a personne qui a fait la 350Z verte? La 350Z verte, si, il y en a une récemment alors en Angleterre, il y en a une aux États-Unis également. Les deux ne sont pas réellement très proches du jeu en fait, puisque les kits carrosserie, les phares, les feux, tout est sur mesure. Donc du coup... Personne n'a vraiment reproduit la voiture à l'égal identique, mais il y a des répliques qui sont quand même relativement proches. Parce que dans le virtuel, ils se sont permis de faire des choses qui n'étaient pas forcément faisables. Après, ça se fait aussi. Oui, ça peut se faire, mais ça doit être un boulot monstrueux. On verra plus tard, mais c'est dans les projets. Et à côté de ça, il y a aussi la BMW E46. Celle-là est plus répliquée. Ouais. On a Andrew, je ne sais plus comment il s'appelle, aux États-Unis, au Texas. D'accord. Il y en a une. Il y en a une en Australie également. Il y en a une en Angleterre. J'ai eu un ami d'Angleterre qui a une R32 GTR qui m'a envoyé une photo. Il m'a dit, ouais, j'ai des collègues qui ont justement la 350Z et la BM. Ils ont dit, ouais, on aimerait bien que tu montes en Angleterre pour faire le trio. Et c'est vrai que énorme. Si j'ai la possibilité, pourquoi pas même faire le Japan Fest là-bas. Ouais, tout à fait. Pourquoi pas me faire un road trip et monter là-bas et en profiter un peu de ces événements-là et de les rencontrer également. Mais sinon, ouais, il y en a pas 36 millions. Je sais qu'il y a une BMW, donc E46, qui est en production en France actuellement. Ok. C'est Mad Force Garage qui l'a fait, je crois. D'accord. Il est en train de la faire. Lui, il veut carrément un truc qui soit réplique conforme au jeu vidéo, donc les performances du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il a, je crois qu'il veut faire 1200 chevaux pour un peu moins d'une tonne. Il a énormément vidé, elle est totalement ressautée. Enfin, c'est tubulaire, j'ai l'impression. Donc, il est en train de se lancer là-dedans à voir. Elle est en cours de fabrication. Et ok, je connaissais pas du tout. C'est qu'il est parti, du coup, tu connais bien le 46 aujourd'hui. Ouais. Il est passé d'un sédan en fait. Et là, le travail qu'il a fait déjà, c'est de découper la porte pour faire un coupé en fait. Il a découpé. Ok, donc d'une berline, il passe un coupé. Ouais, il passe un coupé. Ouais. Donc, il fait un sacré travail, j'ai l'impression. Donc je suis attentivement ça, puisque la BM est également un des projets que j'aimerais faire. J'allais en venir justement, voilà. Est-ce que tu as un coup d'après celle-là? Ouais, c'est ça, c'est passer sur une BMW et réaliser une réplique de Most Wanted. D'accord. Donc là, le but, c'est de trouver une caisse de 46 coupée en 6 cylindres essence minimum, n'importe quel cylindre, je m'en fous, ce sera vraiment une chocard, ça va être une voiture pour faire plaisir, etc. Le moins cher possible, la seule chose qu'il faut, c'est qu'aller les papiers. Après, le reste, je m'en fous. Le train, il peut être fissuré derrière, justement, ça m'arrange. Ouais. Parce que c'est les travaux que je refais faire. Tout, ouais. C'est les travaux que je veux refaire, il n'y a pas de souci. Et après, de toute façon, carrosserie, pareil, elle peut être bunie dans tous les sens. De toute façon, l'ensemble des éléments va être changé pour passer en fibre. Tout le cul est en fibre, j'ai trouvé. J'ai déjà budgétisé tout ça, ça va, c'est pas violent. Le seul truc, c'est y a beaucoup de taf. Moins que celle-là, quand même. Hein. Vraiment, celle-là, énormément de travail. Ouais. Les ailes en tôle, en fait, m'ont vraiment pris 6 mois parce que je suis vraiment. En fait, je pétais un plomb sur les finitions. Et je voulais vraiment un truc parfait en fait. C'est même la sortir aujourd'hui avec des défauts encore actuellement. Ouais, ça m'a rend un peu dingue parce que je les connais les défauts. Le problème, c'est que j'ai le nez dedans. T'inquiète, je les vois pas. Hein. Comme tu m'as dit, c'est ça. Tout le monde me dit non, mais il n'y a pas de défauts, etc. Moi, je les vois. Enfin, mais le commandé mortel les voit pas. Il y en a certains qui vont le voir. Il y a des défauts actuellement, je le sais. Normalement, je ne veux pas la sortir parce que pour moi, ça me rend fou. C'est des choses qui m'énervent. Non, mais t'inquiète, elle est déjà très bien comme elle est. Hein. Et voilà, du coup, ça va être fignolé et terminé. Mais elle est à 90% terminée. Déjà, aujourd'hui, elle roule et c'est surtout ça le truc, c'est que, en vrai, ça fait du bien. Tu m'étonnes de l'avoir dans le garage depuis si longtemps. Il y a des moments où j'avais un peu ras-le-bol en fait, de la voiture. Genre, j'avais dans le garage, j'avais l'impression que ça avançait pas, alors qu'en vrai, ça avançait. Un de mes meilleurs amis qui travaille en Suisse aujourd'hui, il descend rarement dans la région et à chaque fois quand tu vois l'avancement, il te dit gros, t'as avancé monstrueux. Et en fait, franchement, ça aide pareil sur la page Insta, les gens qui viennent m'envoyer message, continue, etc. En fait, c'est vraiment motivant. En fait. Oui, c'est ça. Et il faut, c'est regarde, moi j'attendais que ça, que tu la sors pour la rouler, la fumer, j'attendais que ça. C'est vrai, mais c'est en fait, c'est cette motivation là, heureusement qu'on l'a, parce que franchement, il y a des moments où je me disais, je vais la laisser dans le garage, je veux plus la voir la voiture pendant 8 mois, j'en peux plus. Sois satisfait, moi personnellement, j'adore. Ouais, merci beaucoup. Franchement, c'était un rêve. Et aujourd'hui, c'est vrai de pouvoir la rouler, même si encore elle a quelques défauts, tout ça. Franchement, ça fait vraiment du bien. Écoute, c'est le principal, plaisant. C'est que tu sois heureux.
C'est ça. C'est super. Bah écoute, en tout cas, je te remercie de m'avoir reçu dans ta magnifique auto. Je suis très content de l'avoir filmé. Bah de rien. Les amis, si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ces réseaux. Si c'est pas déjà fait, vous pensez à vous abonner à ma chaîne. Et surtout, partagez-moi cette vidéo, mettez-moi un like et commentez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette voiture pour lui donner de la force. Ça lui fera plaisir et ça me fera plaisir. Je te dis à bientôt. Allez, à bientôt. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut.